Salut salut, on se retrouve avec cette musique excellente sur Super Smash Bros Brawl, et cette fois on est dans le mode aventure. Alors je vous en avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos de Smash, que j'en ferai quelques-unes sur le mode hémisphère subspatial. Et bien c'est parti, avec Link qui a récupéré son épée et qui s'apprête à traverser la forêt. Alors j'espère que je vais réussir à lui faire traverser. Et donc là on a le droit à une autre petite cinématique. C'est parti! Alors, c'est du 2D, donc niveau direction, il n'y aura pas de problème, ce sera soit à droite, soit à gauche. Par contre, quand il s'agira de faire des sauts, j'aurai le choix entre soit faire un simple saut, soit un double ou même un triple, ou juste me laisser tomber si jamais il y a une plateforme, donc ce sera vraiment du hasard, parce que là, je sais pas du tout ce qu'il faut faire dans le niveau. Alors, si, je sais le début, je l'ai fait jusqu'à la première porte, mais par contre, après la première porte, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Donc j'espère que vous êtes prêts, et j'espère aussi que je vais pas trop mourir et que vous trouverez ça assez intéressant. Allez, on y va. On va écouter tout ce qui se passe. On entend un monstre ici. Un autre. Oh, il y en a un à gauche aussi. Il est où l'autre? Il est là. Super. Alors là, je vais vous faire écouter un bruit. Attendez, il y en a un autre. Voilà, donc là, je vais vous faire écouter donc un espèce de petit son assez particulier. Et c'est parti, écoutez. Voilà, dès qu'on entend ça, ça veut dire qu'il y a des monstres qu'on doit absolument tuer pour libérer le passage. Ça, c'est un petit repère sonore. Ouh là là, il m'a éjecté assez loin. Voilà. Et là, on va entendre le même bruit après. Hey. Ça marche pas le grappin, c'est nul. Voilà, vous avez réentendu le même bruit après. Ça veut dire que j'ai réussi à tuer tous les monstres et que le passage est libéré. Donc on continue. Quoi ce truc? En tout cas, ça n'existe plus. Hop, donc là je viens de me prendre le mur. Ça c'est excellent ça. Parce que quand on court, on peut savoir quand on est contre un obstacle parce que on entend un espèce de boom quand on se prend le mur. Écoutez. Voilà, ça y est, là je me suis pris le mur et je sais qu'il y a un obstacle. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que quand je marche, je continue toujours à marcher contre le mur. Bon, alors en tout cas ici, je sais que je dois monter. Écoutez, oh, c'est quoi ce truc? Ça m'était pas arrivé tout à l'heure. Lâche-moi. Tiens. Alors ça, c'était de la vie. Je saute. J'entends des monstres mais j'arrive pas à les avoir. C'est pas grave, je continue à sauter. Oh joli. Encore, encore. Hop, je viens de monter. Des espèces de bruits bizarres à gauche. Voilà. Est-ce que je peux l'avoir avec ma flèche? Oh, c'est pas cool ça. Tiens. Lui, je l'ai eu. Il y en a un autre encore. Bon, je peux pas l'avoir, c'est pas grave. On s'en va. Lui, par contre, je peux l'avoir. Pas. Ah si. Hop, on continue à droite. Oula, je suis dangereux, moi. Et voilà, on a entendu le même bruit que tout à l'heure. Ne tombe pas, s'il te plaît. Donc là, il y a des monstres à tuer. Il faut que je les élimine tous pour libérer le passage. Sauf que là, je suis tellement blessé que je pars trop loin dans l'écran. Non, tombe pas, s'il te plaît. Voilà. J'arrête d'utiliser le grappin, ça sert à rien avec les monstres. J'ai réussi. Allez, la petite pause. Non, pas celle-ci. Voilà, celle-ci elle est bien. Je crois que c'est la même que dans Twilight Princess. Alors, j'avance doucement parce que je sais qu'il y a un vide après.
Et je saute. Voilà. Alors là, vous allez entendre que le son de mon personnage est un petit peu hors de l'écran. Donc on l'entend complètement sur la droite. Je sais pas si vous, à l'écran, vous verrez que je suis un peu sorti de l'écran. Mais quand on écoute mon personnage, écoutez. Vous entendez que le bruit est sur la droite. Et quand c'est comme ça, même pour la gauche aussi, ça veut dire qu'il y a forcément une porte. Que là, on arrive à la fin du niveau et qu'il y a une porte à prendre. Donc dès que ce sera... dès qu'on entendra ce style de repère sonore, ça voudra dire qu'on pourra s'apprêter à essayer de trouver une porte. Donc là, je sais qu'il y en a une parce que je l'ai fait là, pas très longtemps. Donc la porte est ici. Voilà, parce qu'il faut sauter pour prendre une porte. Et à partir de là, donc là, c'est vraiment totalement inconnu. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Donc on va faire ça tout doucement. On va avancer sans courir, parce que si jamais il y a un trou, je vais tomber. Wow! Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais? Là, il y a un vide. Alors, est-ce qu'il y a un monstre de côté par hasard? J'entends ma flèche qui touche quelque chose. Et si je saute... Non, ça marche pas. Bon, bah là, j'ai le choix. Soit je fais un double saut, soit un seul. Bon, allez, on fait un double. Hop! Ça a marché. On va continuer à avancer tout doucement. Si j'avance doucement, normalement, je ne tombe pas. Ah voilà, là je suis au bord d'un gouffre parce qu'on n'entend plus le bruit de pas. Est-ce qu'il y a un monstre de l'autre côté par hasard? Apparemment non. Si je saute... Non, pas de monstre. Eh bien, je saute encore en faisant un double. Ah si, il y en avait! Waouh! Ah, j'ai eu une espèce de coup de chance. C'est quoi ce truc? Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis mort! Oh non, je me retrouve avec Yoshi! Alors là, je sais pas ce qui vient de se passer. Ah si, je crois que j'ai tapé dans une bombe. En fait, c'est n'importe quoi. Ah, c'est pas juste. J'étais bien avec Link, moi. Bon, bah tant pis. Ok, alors on va continuer avec Yoshi. Et où est-ce que je suis maintenant? Est-ce que je peux grimper là-dessus? Non, ça ne marche pas. En plus, j'entends un bruit de monstre à gauche. Et... Ah ok, ça c'est une espèce de ressort qui me fait sauter haut. Et je pense que je dois sauter à droite. Waouh, il est passé haut, mais ça n'a pas marché. Je vais recommencer. Un monstre ça? Si. Ah, il y en a d'autres! Mais tu veux! Apparemment, c'est bon. Ah, on entend une espèce de petit clic sur la gauche. Je crois que c'est un objet qui est tombé du fait que j'ai tué un monstre. Et là, on entend du Yoshi en train de faire une espèce de petit cri, comme s'il avait peur, parce que je suis juste à côté d'un trou. Et on va faire un double saut. D'autres monstres, on a eu le bruit caractéristique et le monstre a tué quand je dois libérer un passage. Oh là là! Reviens! Oh la chance que j'ai eue. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un objet. Alors, je sais pas ce que c'est, mais je vais le garder, tiens. On va faire un double saut encore. Je sais pas ce que j'ai cassé. On dirait des blocs. Oh non, ça va pas recommencer! Ah, c'est bon, ça m'a pas tué cette fois. On entend un petit cours d'eau. Ah, j'ai eu un objet, je crois. C'est quoi ce truc? En tout cas, je le tue. Des trucs à casser. Oh, je suis dans l'eau. Alors là, je peux pas sauter.
Ouais, il y a quelque chose qui me bloque quand je saute, je me prends. Je me prends quelque chose au-dessus de moi. Là aussi. Alors si je vais à gauche. Non, c'est pour que je revienne. Alors où est-ce que je dois aller? Donc il y a de l'eau à droite. Et si je vais tout à droite, il y a des plateformes qui m'empêchent de monter. Ah ici par contre je peux sauter. Ah alors attendez, peut-être qu'il faut que je saute en hauteur à partir de là. Sur la droite. Apparemment c'est ici, il y a un monstre. Et voilà, là j'entends que le son est un petit peu hors de l'écran, ça veut dire qu'il y a forcément une porte quelque part. On va la chercher. Alors ici, non, lâche ce truc. J'ai dit lâche ce truc. Mais sérieux? Ah oui, attendez, peut-être qu'il y a un truc qui me bloque le passage ici. Ah bah voilà, c'est ça. Je suis sûr que la porte est là. Oh, excellent. Parfait. Donc là, qu'est-ce qu'il y a ici? Des monstres. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Ah, il est en hauteur. D'accord. Wow! J'arrive pas à l'avoir. Faut bien que je saute. Il y en a un autre. Alors je sais pas ce que je tape. Faut que j'arrête de parler sans rien faire. Voilà, je tue les monstres. J'ai l'impression que je tape quelque chose et que ça tue les monstres pour moi. Il en reste un. Je sais pas où est-ce qu'il est. Oh, c'est pas grave. Il est là. En tout cas, il n'y a plus de monstres. Ah, si, il y en a là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je sais pas du tout ce que je fais. En tout cas, ça marche. C'est juste qu'il y a des monstres, donc on attaque. J'active des choses sans le vouloir. Ah, il n'y a plus rien. Alors, c'est assez bizarre les bruits que Yoshi fait quand il tape, écoutez. C'est assez amusant. Alors. Je vais aller tout doucement, je sais pas du tout ce qui m'attend. Attendez, je suis pas contre un mur par hasard. Eh bien si. C'était... des monstres. Oh, c'est amusant, on dirait qu'on l'a cassé et qu'ensuite on l'a... qu'on l'a tué. Il y en a d'autres. Tout est là. Voilà, il est cassé, et là il est tué. Qu'est-ce qu'il m'a éjecté à gauche? J'ai pas compris. Doucement. Oh, il y en a un autre. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Là, je suis contre un mur. Bah, je peux pas sauter parce qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, on l'entend. Alors, j'entends que je me prends quelque chose. Ah, ici je peux sauter. Alors, est-ce que je peux monter sur la droite? Non. Je vais essayer. Ok, je peux pas monter à droite. À gauche, peut-être, il y a pas une plateforme. Non. Attendez, peut-être qu'il y a quelque chose à casser ici. Ah, c'était quoi ça? Ça fait un drôle de bruit. Non. Et on a réentendu le même bruit. Alors attendez. Ok, et après. D'accord, il y a une espèce de timing. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça m'étonnerait que ce soit une porte parce qu'on n'entend pas le bruit du personnage qui est un petit peu sur la droite. Ah, peut-être que je peux sauter quelque part après, attendez. Hop, si je fais ça. Bon, c'est toujours le même bruit quand j'atterris. Okay. Ah, attendez! Ça. Je fais juste une vérification, attendez. Ok, j'ai compris. J'ai actionné quelque chose, je fais apparaître une plateforme. Ah, j'ai eu de la chance de tomber là-dessus. Et à partir de là, il faut que je saute quelque part, je pense. Donc à gauche, apparemment, il n'y a rien. Oh non, je suis encore tombé. Ok, donc, c'est la même distance. À gauche, c'est pas ça.
Là par contre mon personnage il est un petit peu décalé au niveau sonore, donc il n'y a pas une... Non c'est pas une porte, c'est une échelle. Ah ok, une échelle. Donc là je suis bloqué, à gauche je suis bloqué aussi. Je peux pas sauter ici, et là aussi je suis bloqué. Ça m'étonnerait que je doive sauter à droite parce que... Il y a un truc qui me bloque en l'air, on l'entend quand je saute. Il n'y a pas un truc à casser par hasard. Et si, il y avait un truc à casser, super. Et là je peux sauter par contre. Et si je vais à gauche... Ok, il y a quelque chose au-dessus. Je vais voir si je peux sauter sur ce qui est au-dessus de moi, sur la gauche. Apparemment, ça a marché. Oula, ok, là, je sens que la manette vibre. Ça veut dire que je vais sortir de l'écran. Donc, il faut pas que j'aille à gauche. Je vais revenir sur la droite. Et si je saute à droite, ça fait quoi? Des monstres. C'est moi qui ai en feu. Pas du feu, je sais pas ce que c'est. On attend que ça s'arrête. Ok. J'ai essayé de sauter, on fait un double saut. C'est parti. Bah y'a rien du tout ici par contre. Et là, est-ce que je peux grimper? Double saut. Non, je suis en train de tomber. Non. C'est quoi cette plaisanterie? Bon apparemment c'était pas un double saut ici. On va faire un simple saut alors, c'est pas grave. Ok, je crois que j'ai compris, il fallait simplement sauter sur tes espèces de ressorts. Voilà, c'est mieux quand c'est avec Link. Non! Mais pourquoi j'ai dit que c'était mieux quand il y avait Link? Il a fallu que je dise ça pour que je tombe. Non, mais sérieusement. Ouais, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas très bien compris, bon c'est pas grave. On va continuer, c'est pas un problème. Il s'est absolument rien passé. On va le refaire. Tiens, ça c'est pour toi. C'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire maintenant. Voilà, c'est beaucoup mieux avec Link. Je grimpe par ici. J'élimine les petits monstres qui viennent. C'est bon, attaquer les gars. Oh le carnage. C'est bon, y'a plus personne. Parfait. Donc là, on va sauter ici. Ok, fait. Les espèces de monstres à casser. Ok. Ensuite toi. Alors ici c'était l'interrupteur je crois. Est-ce que je peux l'avoir en faisant ça? Ouais. Ensuite j'avais fait un double saut. Ensuite j'avais sauté ici. Oh, ça marche pas. Ah oui, c'est vrai que Link saute pas aussi haut que le Yoshi. Sans doute que je dois faire comme ça pour grimper. Voilà. Ensuite, j'ai fait ça. Parfait. Ensuite, ici, je vais passer ce truc. Ensuite. Voilà, excellent. Ensuite, j'avais sauté sur la droite. Hop. D'accord, pourquoi ça n'a pas marché? J'ai exactement fait ça tout à l'heure. J'ai oublié de tuer un monstre par hasard? Non. Pas de monstre ici. Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. En fait, il fallait casser quelque chose. Et maintenant, je pense que je peux sauter. Ouais, c'est ça. Bon, donc cette fois, on va pas faire la même erreur que tout à l'heure. On va sauter sur le petit ressort.
J'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Oh, c'est pas possible. J'ai plus le droit à mourir maintenant. Allez, s'il te plaît, ne tombe pas. Eh bien, cette attaque, ça marche assez bien. Allez. Non. J'ai réussi. Ah, un objet. Oh, c'est une épée laser. Bon, sauf que... Il n'y a plus de monstres. Oh non, encore un saut. Ouais, je fais un double. C'est un triple. Oh, j'ai réussi. Excellent. Et bien voilà, on a réussi à traverser le niveau, même si je savais pas exactement ce qui m'attendait. Et bien, c'était plutôt pas mal. Enfin non, c'était nul, j'ai réussi à mourir quand même. Je pense que la personne... Alors, je sais pas ce qui s'est passé, il y a une espèce de petit lag. Bon, je suis pas sûr que plein de personnes meurent comme ça. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de regarder ça. Je vous dis à la prochaine. Alors attendez, juste, si vous avez envie de me voir sur d'autres niveaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Proposez-moi si vous voulez d'autres niveaux de l'hémisphère subspatiale. Et puis j'essaierai de les faire en découverte, en vidéo, si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire de regarder ça. Je vous dis à la prochaine et merci à vous. Allez, salut.